non, 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 non. Et ça, non, non. Non, je suis grognon là aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. J'ai même pas envie de streamer là. Non, arrête l'enregistrement, c'est pas possible. Comment ça, je vais pas rester comme ça? Bah si. Ouais, sinon je vois qu'un moyen, faudrait que je trouve un vieux schmop un peu pourraf qui m'en met plein la gueule. Comment ça, tu as ça? Eh bah, allez, fais péter, tiens. Qu'est-ce donc aujourd'hui? Bonjour à toi, ami visiteur. Aujourd'hui, c'est du shmup horizontal qui va peut-être m'en mettre plein la gueule, effectivement, j'en sais rien. Vu que je ne l'ai jamais touché, c'est un titre de Tecmo qui date de 1991. Mais tout de suite, je vais vous faire écouter le single. J'aime bien faire de la radio sur YouTube, en fait. Alors, est-ce que j'ai mon file de début de stream? Ce serait fort aimable, quand même. Voilà. Maintenant qu'on est amis. Oui, je l'ai, c'est super. Rega Strato Fighter, je te déteste déjà. C'est con, il y a un super screen de lancement. Bah, je vais vous faire tout le stream en radiophonique, je pense. Hein. C'est ce qu'il y aura de plus simple. Comment ça? Non, il faut pas. Je sais pas, je suis un peu malheureux encore. Faut que ça arrête, ça. Alors, oui, on va ouvrir un funding bientôt pour que je change de machine, parce que c'est plus possible. Je connais peu de gens qui auraient ma patience et qui seraient capables d'en rigoler. Parce que vous connaissez la vidéo du Hungry Kid. Bon, bah voilà. Oui, c'est une réaction naturelle hein, aussi. Faut la considérer. Rega Strato Fighter, il arrive, le voilà. Bah, j'ose plus rien dire. Parce que je sens que ça va pas trop bien se passer. Test, test, test. Faudrait que je me teste moi aussi. Test, 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 test. Yes. Oui, non, mais on s'en fout de ça. Alors, nous sommes en 1991 dans un shooter horizontal. Il y a possible que j'ai très très mal. Mais je vous rappelle que je suis un dieu des shooters horizontaux. Et que, non content d'être un dieu des shooters horizontaux, je les adore par-dessus tout. Strato Fighter. Petite démo pour savoir quelle douleur m'attend. Savoir si je suis plus R-Type, Style. Radius, je sais pas. Pour l'instant, on est dans le R-Type, hein, si je me trompe pas trop. À part qu'il y a peu de shield. Et voilà. Alors, mais je préfère rigoler des souffrances à venir que déjà me plaindre et me morfondre dans une consommation de crédit qui va être un petit peu plus que déraisonnable. Mais il m'a l'air facile ce truc. C'est d'ailleurs tout le principe d'une démo dans un jeu vidéo, si vous avez jamais remarqué. Comme quoi, la mauvaise humeur peut permettre de rigoler, quand même. C'est bon, on peut y aller. Nous sommes des gagnants. La preuve, on a de l'argent. Le rouge, je le verrai mieux sur le noir. Comment ça, c'est pas un argument? Bah, si. Alors, je sais pas si ça gueule pour vous. Moi, je vais baisser mes retours, parce que la musique, je suis surpris, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi forte. Oui, lance-nous dans le cosmos, mos, 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 mos. Je présume que j'ai un tir. Yeah! Ça commence! Oui, ce stream vous est présenté par le professeur Cynique. ouais, non, mais alors, d'accord. Je vois rien en haut, c'est des shields, c'est pas des bombes, ils appellent ça, c'est bizarre. Ah, ah, oui! Va te faire sale jeu. Je te déteste déjà. Donc j'ai déjà oublié le nom de toute façon. Mais vous voyez bien que c'est un mauvais shooter. Parce que je gagne pas. Oui, aujourd'hui je vais faire le connard qui est vénère quand il gagne pas. Ah putain, je peux changer de sens. Ça veut dire merde, j'ai pas mis mon t-shirt. I have not my t-shirt, I am in the mess total, my friend. Une bombe, un super tir, jamais? Non, non, que dalle, ok. Ouais, bon, ouais, why not? Il y a bien des gens qui vivent sans jambes. Hein. Il va me faire des transpirations, ce jeu, je sens. Comment ça, je suis déjà à me plaindre? De ouf. Bah, c'est bête, j'aime bien la musique. J'ai peut-être pas trop speedé, moi, parce qu'il... Non? Il y a bien un moment où ça va me porter préjudice, ou un truc dans le genre. Et que je puisse changer de sens, mais que j'ai pas de bombe, là, ça me contrarie. Énormément.
je redoute le boss. Je sens que ça va être un truc qui, contrairement aux vagues pour l'instant qu'on voit arriver, on va arriver, c'est le mot. J'ai très peur que le boss, lui, nous fasse voir toutes les capacités de l'éveil, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je trouve un tir alternatif, là, je suis pas très rassuré. Non, jamais. Un bisou avant de se coucher, d'accord. Le laser, oui, classique. Et une deuxième couche avec ton. Ok, ça se passe pas trop mal, ça va. C'est pas pour autant que je vais dire que le jeu est bien. Hein. C'est... Non, il est bien. Hein. Comment ça, c'est cheaté, c'est parce que j'y arrive. Oui, bah, je t'y verrai, toi, présenter des shmups qui te mettent des raclés régulièrement. C'est pas évident. Hein. Le moins évident, c'est ceux qui sont quand même pas très jouables. Toi, merde. Je me tais. J'ai plus aucun moyen de lui tirer par en dessous, par derrière, faut que j'attende d'être sur le côté. C'est un jeu de merde. Allez, fais-moi repartir du début que je rigole. Ouais. Non, mais prends pas les bonus, t'en as pas besoin. Je vais mettre 2 heures à le démonter, ce boss, maintenant, vu que j'ai plus les tirs latéraux. Et rien que la flopée de boulettes du démarrage va me laisser d'âpres souvenirs, je pense. Coucou, it's me, yes, you know me, come close. J'ai tenté, hein, c'est passé, tant mieux. Casse-toi de là-haut. J'arrive fini, j'ai pas un autre bouton des fois, mais je suis très malheureux là. Je suis super malheureux. Alors j'ai un bouton pour faire mi-tour, faut que je m'en rappelle. Ce feintage. Vas-y Riton, donne tout ce que t'as. Il est pas content, je crois. Je crois que je vais péter son groupe. Pourquoi j'utilise tout le temps cette expression? Bah, j'en ai pas 36 000, en fait, c'est surtout ça. Donc voilà, la vraie raison du pourquoi. Ah oui, 2 flopés, c'est encore mieux. Misérable vermisso, tu crois qu'on me l'a fait à moi? Je suis dans les streams de Monsieur K, je te rappelle, ça va chier pour toi. C'est les streams où on ne se rend jamais. Quitte à passer beaucoup de crédits, hein, s'il faut, mais on ne se rend pas. Never surrender, boys. Oh non, je me casse. J'ai compris l'astuce. Quoi? Je me suis tiché, mais non. C'était pour voir s'il suivait. Haha. Regarde à mon Kouroux. Oui, le Kouroux, ça revient souvent dans le PDG, je sais. Non. Non. Et au moins, c'est rentable, hein, comme boss. Parce que tu commences le boss le jeudi, vendredi, tu l'as bien entamé. Samedi, t'es libéré pour passer à un autre jeu. Ou au niveau suivant, ça va. Oui, j'ai joué comme un dieu. Et je vais finir de ne pas le one credit ce jeu. Puisqu'on a fait combien de minutes, hein? 8 minutes. Oh. Oh non, pas le contournement du vaisseau. Il faut savoir où se placer parce que sinon ça va mal se passer. Et puis j'ai pas de bonus et j'ai mal aux dents. Oh, rage, désespoir, haine. Yes. It's much better. Oui, je dis bien les T avec l'accent français. Vas-y, pousse de tempo, gars. Cette musique entraînante et excitante à la fois, je ne sais plus quoi faire, je ne me sens plus, la preuve, je viens de me cracher comme une grosse merde. Oh là. C'est marrant parce que classiquement, dans les shoots verticaux, le gros vaisseau qu'on traverse comme ça, c'est celui qu'on trouve au troisième ou au quatrième niveau, pas au second, quoi. Alors par curiosité, du coup, on va avancer au prochain tableau. Vous me suivez? Eh ben, vous avez du courage. Allez, asseyez-vous derrière, accrochez-vous bien, ça va peut-être un peu secouer au début. Oui, j'essaie des figures un peu. J'aimerais pas qu'on y passe 15 jours. On a peut-être d'autres choses, voire une vraie vie des fois. Et du coup, voilà.
Il est gentil le pépère, mais... Ah, mais c'était un coéquipier. J'ai eu super peur de cet objet qui arrivait sur moi. Je faisais... Non, il vient d'Oara, assure-toi, il va réguler ton espèce. Et en fait, non, c'était juste un blagueur de coéquipier qui s'était déguisé en ennemi pour que je flippe bien. Vous me l'achetez comme excuse? Non? Ok, bah c'est pas grave. Ah oui, 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 grosse parenté, R-Type, Last Resort et compagnie. J'aurais du mal à feindre la surprise. Oh, mais il me gonfle ce tir vert qui va aussi vite que mes déplacements. C'est un peu deg. Non, non, non. Z, faut mémoriser, hein. Ah oui, faut que je me rappelle que j'ai le droit de tirer derrière. Oh, je recommence au début du vaisseau, comme c'est trop gentil, merci. J'avais dit qu'on n'y passerait pas la journée, mais bon. Les gens ont peut-être rien à faire ce week-end, finalement. Vous faites quoi? Non, parce que pour le terminer, je vais vous spoiler un peu le truc, quand même. Va falloir un petit moment, là. Et oui, c'est... It's difficult, sometimes. Ouais, c'est pas qu'on fasse des trucs verts, ni des trucs oranges, d'ailleurs. C'est bon, c'est un détail. Un détail pour vous, mais la chanson dit tout, d'ailleurs. Au nom du crâne ancestral de Gérard Lenormand, ne me demandez pas pourquoi c'est venu cette phrase. C'est... Quand c'est un peu nawak, en général, ça part en sucette. Vous me connaissez. Non, loin, 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 très loin. Il se jeta dessus, donc. Ok. Il y a une logique, hein. Vous êtes pas pénible, les gars. Enfin, vous avez des actions, quand même, dans le quartier, non? Je me casse, vous êtes pas drôle. Je me casse, quand même. Oui, je peux tirer derrière, mais je vais éviter, parce que, voilà, j'ai des amis qui vont continuer d'arriver régulièrement là où il faut pas. Et je la sens pas, cette histoire. Oh, putain. Oh, putain. Un coup d'un zi, un coup d'un zag, vas-y. Et je te mets de la boulette. Et toi, t'es aimable, t'es gentil, t'essayes juste de passer, de fourguer tes encyclopédies, là. J'aurais dû m'occuper de ça, je vais me faire de misère. Ah, ils vont me faire la misère, eux. J'ai une énorme envie de redémarrer du début des vaisseaux, est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît? Non. C'est une putain de bonne nouvelle. Parce que là, j'allais rage quit. Pour être franchement honnête. Donc, voilà. Je continue ce 1CC avec plein de crédits. Pour vous faire voir un peu plus loin. Ah non. 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 Tu ne fais pas ça. Tu ne peux pas. Il y a Evangeli en diagonale qui fait du rallye. Vous voyez les conneries que ça me fait dire quand même de devoir gérer cette chose immonde qui est ce vaisseau que l'on va parcourir dans tous les sens et j'espère pas qu'on va aller à l'intérieur parce que dans Last Resort, hein, bah, il revient sous mon exemple hein, parce qu'il m'a fait pleurer ce jeu. Et ben il y avait le passage où on est à l'intérieur du vaisseau et je peux vous garantir que sur tout le passage du vaisseau, c'est ce que j'ai fait le plus souvent, quoi. Le passage de l'intérieur, parce que j'étais tellement tendu, il y avait toujours moyen que je me crache. Mais même sans avoir de truc particulièrement compliqué, juste l'affolement. Comment tu tires, toi? Comment tu tires? Tu tires comment? Non, le gros truc, je vais éviter, je le sens bien. Voilà, ça s'appelle un gros truc d'ailleurs, c'est pas pour rien. Hop, la prochaine fois je me mets au-dessus, je pense. C'est moyen. Après, c'est vous qui voyez, les gars. Ok. Mieux vite, hein. Mieux vaut y aller. On va peut-être redescendre en fait. Non. Ça passait entre les deux, tu me diras. Mais bon, il y avait un pareil. Le sang-froid. Cette chose qui vient à manquer inévitablement. C'est toi le boss, sérieux? Mais t'as vu la tête que t'as? On dirait un Rubik's Cube. T'as été fabriqué chez les Borg. Et encore ce jour-là, ils n'avaient super pas d'inspiration, quoi. Ils avaient dû plomper des plans secrets de chez Stark. La pauvreté en design. Comment ça, je suis super méchant? Bah oui, là, je peux.
Vraiment, je peux. Ça me fait plaisir. Oh, bon, bon, vrai. Jean-Michel Bruitage, tu peux nous dire quoi à propos de ce boss sur lequel tu sembles avoir énormément bossé d'ailleurs. On se retrouve encore, il y a un mort à réfléchir, ça va, il y a un. On a un sablé, on. Et là, on. Il y a un mort à réfléchir. Comment ça, ça sent la panique? Pas du tout, pas du tout. Je gère totalement. J'écoutais justement Jean-Michel Bruitas qui nous expliquait, il ne vous a pas traduit. Il a fait ça un jour où il a trouvé sur un chantier un bout de tube en PVC. Voilà. Et le tube était assez long pour procurer une certaine résonance lorsqu'il était frappé. Ah, ça vous embouche un peu aussi. Et que j'arrive à jouer en même temps et que j'ai tenu 2 minutes sans me cracher, c'était un petit exploit. Oui, 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 il faut le reconnaître. Mais ça va être trop bien. Parfois long est le chemin, oui, pénible. Dire qu'avec une super bombe, ça serait réglé là. Parce que le mec, c'est bon, son pattern, on l'a vu. Salut, je suis vendeur en pattern. Ouais, et donc, bah, j'ai celui-là et je sais pas quoi en foutre. Et à chaque fois, je fais bien voir comment il marche, mais les gens, ils veulent pas suivre, je crois. Alors, peut-être qu'il est un peu compliqué. Non. Peut-être les petits poids que tu devrais changer, ça fait pas très agressif ce verre. J'en ai pas qu'une, ce boss, sérieux ici, quand c'est qu'il crève. Monsieur, descends, descends, on s'explique. Y'en a marre, on va se la faire à la manouche. Je tire à côté, il est mort de désespoir que je tire à côté, quoi. Ce jeu est génial, il est sélectionné, je vous le dis, mes amis. Parce que premier niveau, t'as l'impression de jouer comme un dieu parce que le jeu est très facile. Deuxième niveau, ça part déjà en sucette. Et alors, bah, nous allons découvrir le stage 3 et... Ouh. Non, je pense pas que je vais arriver à faire 3 écrans dans ce stage. Et alors, nous remarquerons que... Oh là là. Je n'aime pas ce truc. Il ne m'aime pas non plus. En haut, ça fait quoi? Ça fait quelque chose? En haut, ça fait quoi? En haut, ouais, voilà. S'il y a en bas, il y a forcément en haut. Sinon, ça perd tout son sens. Sa valeur, sa subtilité suave. Je peux avoir un tir, un bonus, n'importe quoi, tu sais, mais... Ah, le tir est passé à travers... Le bonus est passé à travers moi, vous l'avez vu sur... On mettra le replay. Je demande l'arbitrage vidéo. Mais j'en ai rien à foutre de ton speed-up, il m'emmerde. Qu'est-ce que tu veux que j'en foute? Avec une musique faite par John Carpenter himself. Eh oui, grand trouble dans la petite Chine. Est-ce que je le continue? Oui, parce qu'on commence à vraiment rigoler. Par contre, dernier crédit. Après, trop c'est trop. La gourmandise, c'est un péché. Je crois que c'est marrant au début. Non, bah j'aurais dû dire non. There's something weird in the neighborhood. Who you gonna call? Ma grand-mère. Oula, 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 calmez-vous les gars, calmez-vous. Ouais, j'ai perdu. Oh putain, non, je me bats. Avec un tir de merde. Vas-y, fais-moi le même coup tout à l'heure. Je me rappelais plus qui sortait lui. Non, non, le blaster au loin qui s'en va, qui s'enfuit, qui sort de l'écran. Et toi, tu te retrouves comme un méga connard. Avec un tir de salopard. Et tes yeux pour pleurer. Regarde, j'arrive même pas à rattraper le truc. Non, 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 regarde. Tiens, bah, je pose la lunette. Chicha. Fallait que je le rajoute. Strato Fighter, tu es totalement validé. Puisque, soyons honnêtes, les gens qui aiment les shooters horizontaux ont de quoi se régaler. Le truc est vraiment bien foutu. Il est super jouable, parce que même un manche comme moi arrive à avancer un petit peu en mettant... un peu de monnaie apparemment. Mais bon, le truc est quand même vachement jouable. L'idée de pouvoir y ressortir, c'est vachement intéressant. Ça compense les histoires de boucliers et tout ça. Il a les bonnes idées pour faire ses propres petites choses à lui. Sérieux, essayez-le si c'est votre genre de jeu. Il fera pas tâche dans une collection. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau numéro de The Big Gamowski. Si vous vous ennuyez, vous avez les playlists habituelles, hein, la classique en haut et celle des shmups en bas. Et puis tiens, je vous mets un petit stream bonus là. Oui, je sais. C'est ça la générosité et la mauvaise humeur. Je me retourne bougonner.
Ciao. Merde.